Bonjour à tous. Le consentement des patients est un principe clé de la recherche clinique. Le recueil et la gestion de ce consentement sont donc des enjeux essentiels aujourd'hui. Pas d'études cliniques sans patients et pas de patients sans consentement. Mais comment faciliter et comment rendre plus accessible ce consentement? Le développement accéléré des outils du numérique a rendu possible le e-consentement, c'est-à-dire l'application des outils numériques au processus de consentement. Tout le monde voit les bénéfices énormes qu'apporterait le e-consentement, mais les contraintes sont nombreuses. L'authentification du patient réel, les contraintes de confidentialité, la sécurité des données, et ou encore les multiples textes et législations qui parfois se contredisent. Eh bien, notre objectif aujourd'hui, dans ce webinaire, c'est de tenter d'apporter un nouvel éclairage sur cette thématique. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Nous sommes vraiment honorés de l'intérêt que vous portez à notre présentation d'aujourd'hui. Alors, je suis Emmanuel Penn, je suis directeur général de d'Aaron, éditeur de logiciels. Aujourd'hui, je serai accompagné d'Yves d'Armagnac, qui est directeur technique et expert de la sécurité informatique. Et nous avons aussi l'honneur d'accueillir Michel Arnoux, qui est consultant, expert, à la tête d'une équipe de conseil qui traite des exigences réglementaires depuis plus de 17 ans. Et il est aussi vice-président de l'Association française de gestion des données biomédicales, et ceci depuis 2011. Alors, ce webinaire va durer environ 40 minutes, suite à quoi il y aura une session de questions-réponses. Nous allons bien entendu nous présenter brièvement. Et puis, nous allons, Michel Arnoux va donc nous exposer l'état de l'art concernant le consentement du patient aujourd'hui et qu'est-ce que le e-consentement? Et enfin, quelles sont les caractéristiques du consentement, notamment dans les différents États et zones géographiques, et donc avec l'impact des différentes réglementations. Nous allons ensuite voir un cas concret d'e-consentement, notamment dans le cadre d'un e-pro. Comment l'e-pro peut garantir le consentement électronique sécurisé des patients? Et nous allons donc avoir une démonstration de ce cas concret sur notre plateforme Aaron ePro, sur notre solution Aaron ePro. Enfin, nous avons prévu une table ronde à la fin de ce webinaire avec différents intervenants d'Aaron et Michel Arnoux qui pourront répondre à vos questions. Alors, quelques informations pratiques pour que tout se passe bien. Tout d'abord, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le bandeau à droite. Vous avez un onglet questions, tout simplement. Donc, vous saisissez votre question et cliquez sur poser la question. La question arrive chez nous et elle sera reprise à la fin pour y être répondu. Par ailleurs, pour que cette présentation soit la plus agréable possible, je vous conseille de passer en mode plein écran. Donc, en bas à droite de votre écran, vous avez un petit icône pour mettre la présentation en plein écran. Et ce sera beaucoup plus agréable et lisible. Voilà. Alors, Aaron, donc nous sommes un éditeur français de solutions logicielles dédié à la collecte et à la gestion des données dans le cadre de la recherche clinique. Nos caractéristiques, je dirais, c'est d'abord notre connaissance du métier, des études cliniques et des exigences de la recherche clinique. Mais notre ADN, c'est avant tout la technologie. Nous avons développé une innovation majeure dans la façon de produire ou d'exploiter un e-pro ou un ICRF, puisque, par exemple, là où il fallait quelques jours pour produire une étude clinique, paramétrer une étude clinique, nous réduisons ce temps à quelques heures. Ou là où il fallait plusieurs semaines pour des études plus complexes, nous pouvons réduire ce temps à quelques jours.
Et nos solutions se démarquent aussi par leur simplicité d'utilisation, la modernité de nos interfaces, qui sont utilisables autant sur PC que sur tablette, que sur smartphone, et enfin par une exigence forte en matière de sécurité. Enfin, pour être complet, je dirais nos clients, ce sont des CRO, des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux ou des institutionnels, hôpitaux, associations. Notre solution s'appelle Aaron EDC et nous couvrons, je dirais, le spectre des études cliniques au travers des modules ICRF, IWRS, donc la partie randomisation, suivi des traitements, et le module IPRO, donc qui va s'adresser notamment aux patients pour la saisie en autonomie des données de recherche clinique. Et enfin, notre solution Aaron Studio, qui est un outil très puissant qui permet de paramétrer et de produire les études cliniques. Voilà, mais nous allons maintenant revenir sur le consentement. Donc, Michel Arnoux, à qui je vais laisser la parole, va maintenant commencer par redéfinir les bases du consentement avant d'aborder la thématique du e-consentement. Donc Michel, c'est maintenant à vous. Merci Emmanuel pour cette introduction. Alors, le consentement, comme vous l'avez dit précédemment, c'est l'une des fondations des essais cliniques. Et il faut remonter un petit peu au niveau historique. Pourquoi on a une législation, des réglementations sur le consentement? C'est parce que, je dirais, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé des choses horribles dans les camps de concentration, où les médecins nazis se sont permis des expériences sur des personnes qui n'avaient jamais demandé à participer à ce type d'expérience. Donc, ensuite, je dirais, à partir de la suite de la guerre mondiale, au procès de Nuremberg, ont été définis le code de Nuremberg, puis des chartes éthiques, déclaration d'Helsinki, et un certain nombre de textes qui ont formalisé les choses. Et aujourd'hui, on a un corpus, je dirais, réglementaire qui nous permet de bien savoir ce qu'est le consentement, tant au niveau national qu'au niveau international. Donc, je vous ai mis là, j'irai le code de la santé publique, qui explique qu'est-ce que c'est qu'un consentement, Donc, le consentement, c'est à plusieurs niveaux. C'est le consentement entre la relation entre le patient et le malade. Et c'est aussi, j'irai dans le cadre des essais cliniques, le consentement à participer à un essai thérapeutique et à bien comprendre tous les risques qui vont avec et tous les bénéfices qui peuvent aussi en découler. Et donc, cette phase d'information est importante et normalement, dans le consentement traditionnel, les choses se font tout simplement, je dirais, par une visite met face à face le médecin et le patient et où il y a une explication claire des objectifs de l'étude. Dans les faits, pour ceux qui connaissent un tout petit peu ce genre de choses, c'est quelquefois un peu plus compliqué. On explique à un patient qui est déjà avec une pathologie grave qu'on va lui proposer un nouveau traitement et on lui propose un document papier qui peut être un peu lourd et un peu lent et difficile à lire. Le patient souhaitant progresser et essayer de trouver une solution thérapeutique à ses problèmes signe généralement assez facilement. Mais donc, toute la notion qui va avec, c'est la notion de consentement éclairé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, est-ce que le patient a pu et a bien compris ce à quoi il s'engageait, aussi bien sur les aspects positifs que les aspects éventuellement négatifs, par exemple les effets indésirables? Est-ce que, je dirais, il a toute conscience pour signer, est-ce qu'il est en pleine conscience ou est-ce qu'il faut qu'il se fasse aider par une personne? C'est le cas pour les enfants, pour les mineurs, pour les personnes atteintes de pathologies qui leur font perdre une partie de leur discernement. Donc, c'est forcément un sujet, je dirais, compliqué. Et tout le défi du e-consentement que nous allons aborder maintenant, c'est de savoir comment ces contraintes existantes dans le monde matériel, papier, face à face avec le patient, peuvent être non seulement, je dirais, confirmés et remis en place, mais éventuellement améliorés. Et donc, c'est tout l'objectif du e-consent, où on peut récupérer un accord entre le patient
et le médecin, mais aussi lui expliquer beaucoup mieux les choses grâce à tous les moyens audiovisuels qu'on peut avoir sur un smartphone ou sur une tablette. On connaît le vieil adage, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Et donc, ça peut être un schéma, ça peut être une vidéo qui explique de façon beaucoup plus, je dirais, détaillée, voire personnalisée, ce que le patient est en, je dirais, ce à quoi le patient s'engage dans un processus, je dirais, de consentement électronique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'idée, c'est d'avoir des définitions pour ce processus électronique. Dès 2016, la FDA a proposé un texte, le MHRA, donc l'autorité britannique, a proposé des choses. Et donc, c'est en fait, l'explication est assez simple, hein, c'est des, faire de façon électronique avec tous les supports possibles, texte, graphique, audio, vidéo, podcast, site web, pour transmettre des informations, donc augmenter la compréhension et la connaissance du patient pour pouvoir, je dirais, avancer et grâce à ces moyens, je dirais, bon, ensuite donner son accord. Donc là, on voit forcément ce qui se passe quelque chose. Donc on nous dit que c'est document papier transcrit sur un appareil mobile, mais pas simplement. Et on va arriver à un concept qui est un concept qui est toujours un peu flou. Parmi la population et pour nous aussi, c'est comment on signe son consentement. Tant qu'on signait sur un papier, les choses étaient relativement claires et simples. Là, tout de suite, on parle de consentement, électronique. Et donc, l'idée qui vient derrière, faut-il consentir et signer un document papier en même temps que consentir électroniquement l'un ou l'autre ou l'un et l'autre. Et l'on verra que c'est... je dirais, la difficulté qui peut se présenter aujourd'hui, car d'un pays à l'autre, la perception de la nécessité du document papier n'est pas forcément la même. Non seulement parce que l'histoire des pays est différente. Je vais prendre un exemple, l'Allemagne, où on a les Länder, donc une notion très régionalisée des choses. La France, on est plutôt un État centralisateur, même s'il y a plusieurs comités d'éthique et ainsi de suite, de protection des personnes. Mais on a aussi la CNIL. On a donc moult autorités qui peuvent être intéressées par tout ça. Et donc, l'idée, c'est de faire un point avec vous pour que vous ayez une idée du cheminement qu'il va falloir suivre pour arriver au bout et à réussir votre consentement électronique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, Transcelerate, vous n'êtes pas tous peut-être familiers avec Transcelerate. Transcelerate, c'est finalement une association de sponsors, donc de promoteurs, voulant améliorer le fonctionnement des essais cliniques et éventuellement éviter par la mise en place de bonnes pratiques de refaire des choses. L'exemple le plus classique sur lequel les choses avancent assez brillamment en ce moment, c'est la formation des investigateurs aux bonnes pratiques cliniques. Chaque labo précédemment formait le laboratoire ou l'investigateur aux bonnes pratiques cliniques. On peut imaginer qu'il y ait une forme de standardisation et c'est l'une des initiatives de Transcelerate. Bon, Transcelerate s'intéresse au consentement électronique, bien entendu, et à travers ce petit dessin, vous avez une petite idée de tous les éléments qui peuvent contribuer. Et donc, tout ce qui est moyen vidéo, tout ce qui est graphique, tout ce qui est, j'irais, éléments pouvant aider à la, j'irais, compréhension de ce qui est à consentir, et puis les moyens techniques qui permettent éventuellement d'assurer ce consentement, notamment par la signature électronique, là, qui est représentée par une empreinte digitale. Bon, on sait que certains d'entre vous peuvent utiliser sur leur smartphone leur empreinte digitale. Bon, c'est un sujet. Et là, donc, qui dit empreinte digitale, on aborde tout de suite un problème, je dirais, qui est celui des données personnelles, puisque dans cette phase-là, je dirais, on va retrouver tout un cadre réglementaire. Vous n'êtes pas sans ignorer que le RGPD, ce règlement sur tout ce qui est collecte de données personnelles, a un impact non négligeable sur les pratiques et que... forcément, je dirais, le consentement, c'est un échange de données personnelles avec un tiers. Et ce tiers, qui est-il? Normalement, dans le processus papier, c'est l'investigateur. Dans le processus électronique, ça peut être un tiers.
donc un fournisseur de solutions, comme Aaron, par exemple, qui va, je dirais, recueillir et devient une sorte de tiers de confiance entre l'investigateur et le patient. Et bien entendu, je dirais, le défi qui arrive derrière, c'est pour les autorités, c'est comment vérifier l'existence de ce consentement et qui a droit à avoir ce consentement. Dans le processus papier, je vous rappelle, seul le moniteur, donc l'attaché de recherche clinique, pouvait, en visitant le site d'investigation, voir ce document et vérifier l'existence réelle du patient. Là, on en rajoute un certain nombre d'acteurs qui sont, je dirais, les prestataires de services, les fournisseurs de solutions, qui, bien entendu, ont un impact et peuvent être des éléments qui posent la question de l'accès à des données personnelles par des personnes qui n'ont peut-être pas, je dirais, à savoir des choses par rapport à tous les éléments concernant, je dirais, les interlocuteurs et les participants de cet échange. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'une des façons d'aborder le problème, et l'expérience prouve que la FDA est souvent très pragmatique, c'est la liste de questions-réponses proposées par la FDA, qui sont des questions assez pratiques et qui rappellent les éléments qui sont importants. Alors, l'un des éléments classiques pour ceux qui sont familiers des essais cliniques, c'est le fameux 21 CFR part 11, qui définit, je dirais, depuis les années 1997, le principe de la signature électronique et qui implique un certain nombre de choses en matière de validation des systèmes informatisés en charge de la collecte de données pouvant servir à des essais cliniques notamment. Donc, si on aborde une par une les questions, et ce qu'on ne fera pas lors de cette matinée parce qu'on n'en aura pas le temps, c'est, on s'aperçoit que les questions sont très pratiques. Et donc, la FDA s'attache à essayer de démontrer que ce qui était attendu sur le papier peut se faire en électronique et essaye de démontrer aussi comment enrichir ce processus de consentement, comme on l'a pu voir sur le schéma tout à l'heure, par l'ajout d'éléments multimédia qui permettent donc de mieux faire comprendre aux patients ce à quoi ils s'engagent. Évidemment, donc, il y a les détails sur la signature électronique que j'ai évoqués à travers le 21 CFR. Se pose évidemment la question, et d'autant plus aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'essais décentralisés, suite à l'épisode Covid dans lequel nous sommes toujours présents, nous sommes encore actuellement présents, c'est comment on vérifie la réalité du patient. Dans le processus traditionnel, on avait un face-à-face entre un patient et un investigateur. Là, on a un patient qui peut être quelque part à distance. Est-ce que ce patient existe réellement? Est-ce que c'est bien lui qui va signer? Donc, tous ces éléments-là sont importants et il sera essentiel, de définir les processus qui permettent de confirmer ou de donner les éléments de confiance aux autorités en matière de réalité du patient et de son consentement. Bien entendu, avant de soumettre le patient à ces processus de consentement, il va falloir que le protocole ait été soumis, le protocole de l'étude ait été soumis à un comité d'éthique. Et ce comité d'éthique va être très intéressé par ce processus de consentement. Parce que selon le côté pédagogique qu'il y aura dans ce consentement via l'électronique, le comité d'éthique va avoir un niveau de confiance et dans la capacité du patient à donner son consentement qui sera bien supérieur à celui de signer 6 ou 8 feuilles A4 d'un texte écrit en petit caractère serré où le patient signe sans avoir eu le temps de lire toutes les clauses comme nous pouvons le faire un peu trop souvent sur Internet à travers l'utilisation d'un logiciel ou d'une application sur notre smartphone. Donc vraiment l'aspect pédagogique informatif du document sous toute forme qu'il sera en électronique est un élément essentiel qui va donner et bâtir la confiance et donc la qualité du consentement de la part du patient. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en Europe?
En Europe, à la différence des États-Unis, et vous ne l'ignorez pas, nous sommes de nombreux pays et chacun de ces pays a ses habitudes, ses cultures, ses principes. Même si tous nous suivons les bonnes pratiques cliniques, hein, inspirées de l'ICH E6, R2 aujourd'hui, néanmoins, dans les faits, il y a des spécificités et notamment je dirais, la façon dont sont organisés les comités d'éthique et qui va faire que je dirais, on ne va pas demander la même chose selon l'endroit où on va se trouver. Donc, ce qui va poser problème lors d'un essai international où, en fait, pour chaque pays, il faudra avoir un processus, je dirais, adapté puisque je dirais, chaque pays va avoir ses spécificités. J'ai évoqué le cas des Länder en République fédérale d'Allemagne, où je dirais le comité d'éthique va ne pas forcément être, va pourra être jusqu'au niveau de l'hôpital, et donc forcément on n'aura pas la même façon de voir les choses. Et l'une des questions que se posait une inspectrice allemande lors d'une réunion des inspecteurs GCP à l'EMA, c'était finalement qui a accès à ce consentement. Et donc on revient à la question que j'évoquais tout à l'heure. Finalement, jusqu'à présent, en mode papier, c'était un dossier à l'hôpital dans l'armoire de l'investigateur. Demain ou aujourd'hui avec le e-consentement, c'est quelque part une donnée qui va être présente sur un serveur, quelque part dans les nuages. Et donc, clairement, problème de perte de contrôle sur des données qui sont des données sensibles. Donc, voilà les questions que se posent encore les inspecteurs et qui sont légitimes en matière de droit d'accès aux données. Gestion des données personnelles, et donc on retrouve des questions qui sont liées donc au RGPD, qui sont des éléments essentiels parce que ces données peuvent circuler et elles sont entre quelles mains. Donc c'est la responsabilité du fournisseur de solutions, Aaron par exemple, mais c'est aussi la responsabilité de celui qui va lancer une étude, de s'assurer que ses fournisseurs Aaron, le sous-traitant d'Aaron s'il en a un, l'hébergeur de données et toute la chaîne d'acteurs intervenant dans cette collecte d'informations s'assurer qu'ils respectent les meilleures pratiques en matière de validation, de sécurité des systèmes informatisés, conformes à ce qu'attendent les inspecteurs et qu'ils pourraient être amenés à contrôler lors d'une inspection. Diapositive suivante. Résumons le problème. En Europe, bon, le concept est admis, il n'y a pas de problème. Ce qui commence à poser des problèmes, c'est la forme de la signature, même si nous avons une directive, la directive EIDAS, qui permet d'harmoniser le concept de signature. Il y a toute la notion de face-à-face, donc comment on s'assure que le patient est bien, je dirais, en face de l'investigateur d'une manière physique ou virtuelle au moment de son consentement. Et ce que j'évoquais précédemment, le fait que l'harmonisation au niveau pan-européen est encore, je dirais, en cours. Hein, c'est « working in progress ». Et donc, les choses ne sont pas faites. Comme je l'évoquais avant la réunion, j'ai posé la question à un ancien inspecteur de l'ANSM qui est maintenant dans un comité qui réfléchit à tout ça. Et donc, le vrai problème, ce n'est pas l'aspect juridique, c'est l'aspect, je dirais, modalité pratique. Donc, vous savez, c'est comme en France, on a des lois, mais on n'a pas toujours les décrets d'application. Donc, le sujet est assez compliqué à cause de ça. Techniquement, c'est facile. Juridiquement, c'est facile. C'est plus difficile de mettre les choses, je dirais, en perspective pour les rendre, je dirais, aptes à supporter le contrôle des autorités. Diapositive suivante. Transcelleret a fait une étude, elle est intéressante, hein, vous pourrez la consulter sur le net. Vous aurez, je dirais, les différents éléments concernant, je dirais, le paysage du consentement électronique pour chaque pays. Pour la France, ce qu'ils ont identifié, c'est que le point qui gratouillait un tout petit peu, c'était la signature et donc le souhait de garder du papier pour pouvoir avoir une signature traditionnelle et de ne pas aujourd'hui totalement faire confiance à la signature électronique. Le paradoxe, c'est que nous passons notre vie à utiliser une carte de crédit ou un moyen de paiement
en signant à distance, et ben pour ce genre de choses, les choses sont un peu plus compliquées. Certains pays sont plus matures que nous parce qu'ils ont des cartes d'identité avec un certificat numérique. C'est le cas de la Belgique, qui peuvent faciliter les choses. C'est le cas de nos futures cartes d'identité là, qui sont en train d'être mises en place depuis cet été, qui nous permettront d'avoir une sorte d'identité numérique en plus d'une identité sous format plastique, comme nos cartes d'identité aujourd'hui. Diapositive suivante. Bien, pour conclure, je vais vous rappeler un petit peu les points essentiels, parce que pour ne pas, croire de façon, trop confiante dans toutes les solutions à base d'électronique, c'est de bien rappeler que le e-consent, c'est un système informatisé, et que comme tout système informatisé utilisé dans le cadre de la recherche clinique, il doit être validé, que ça soit selon les règles de l'ICH, que ce soit les règles du 21 CFR part 11 ou de l'annexe 11 de l'Union européenne. Donc, c'est le point vraiment très important. Deuxième point très important, le contrôle d'accès aux données. Qui a accès au système? Et donc, qui a accès, aux données de consentement? Là encore, c'est extrêmement pointu. Il faudra, bien vérifier les choses pour être sûr. Et une façon de le vérifier, c'est de regarder ce qu'il y a dans les audit trails. Et ces audit trails devront faire l'objet d'examens périodiques réguliers, de revues, pour s'assurer que les choses se passent bien. RGPD, donc le règlement sur la protection des données. Vous savez qu'en France, là-dessus, les choses se passent assez bien, puisque la CNIL, à travers les méthodologies de référence, a essayé de traduire les contraintes de la recherche clinique et du monde de la santé face aux contraintes de la protection des données au niveau général. Et donc, à travers les méthodologies de référence, on a des éléments qui permettent d'avancer. C'est important, ça permet de faire fonctionner des essais, ça ne résout pas forcément techniquement le problème du consentement, mais ça y contribue. Localisation des données. Alors, vous savez que tout ce qui est Privacy Shield et autres ne sont plus, en cours aujourd'hui. Et donc, on est dans une zone de non-droit entre les transferts des données hors de l'Union européenne. Et donc, il faut des accords particuliers, et ainsi de suite. Donc, la notion de localisation des données est extrêmement importante. Si vous souscrivez à une solution et que vos données sont hébergées qui par Amazon ou qui par Microsoft, vous devez contractuellement vous assurer que ces données sont hébergées au sein de l'Union européenne et vous prévenir aussi contractuellement pour le fait que ces données ne devraient pas être transférées en dehors de l'Union européenne sans avoir fait l'objet d'un amendement ou d'une annexe au contrat pour sécuriser les choses. Variabilité du processus selon les pays, ça je l'ai déjà évoqué. En France, on n'est pas toujours les plus avancés en matière de côté opérationnel des choses. Des plus petits pays au sein de l'Union européenne sont plus efficaces parce que avec une culture numérique peut-être plus poussée. On parle des pays baltes en la matière, les Pays-Bas sont pas mal non plus parce que les comités d'éthique sont pragmatiques. Nous, on a cette culture juridique qui, par moment, peut nous freiner. La notion de face-à-face, visite virtuelle, je l'ai évoqué déjà précédemment. Alors, le point non négligeable, le BYOD, Bring Your Own Device, est-ce qu'on peut demander à un patient d'utiliser son propre téléphone portable ou son propre ordinateur pour signer un document, la question est ouverte parce que, en effet, cette machine, elle peut être utilisée à d'autres fins et elle peut ne pas être totalement sécurisée. Des informations peuvent fuiter à partir de cette machine, que ce soit le téléphone portable ou l'ordinateur. Donc là aussi, il y a toute une démarche à avoir pour s'assurer que l'action de consentement qui pourrait être faite sur cette machine est suffisamment bien protégée pour que, il n'y ait pas de risque en matière de fuite de données possible. Et puis, last but not least, les évolutions réglementaires. L'ICH est en train de préparer une version R3 qui va être de plus en plus, qui va prendre de plus en plus en compte tous les éléments liés à l'électronique, au système informatisé, et aussi au fait que la crise du Covid a fait bouger les autorités réglementaires.
qui ont mis en place des procédures, je dirais, temporaires, qui permettent de faire des choses à distance dans le cadre d'études concernant le Covid, et que toute cette expérience qui est acquise et qui est en train d'être acquise pendant cette phase-là pourrait être tout à fait transcrite et faciliter la mise en place de systèmes type e-consentement dans le futur, puisque, je dirais, on aura démontré dans le cadre de cette crise que ces systèmes pouvaient être une solution crédible, efficace et répondant aux attentes des autorités. Merci. Je vous ai mis pour finir, j'irai, deux textes qui peuvent vous aider. Hein, j'irai, bon, le Transcéléraide dont j'ai parlé et un guide qui a été fait par le CROF, qui est l'association des CRO, et par le eClinical Forum, qui, j'irai, fait une analyse de la situation et donne quelques conseils pratiques. Je vous remercie. Ben, merci. Michel, c'était très riche, donc nul doute qu'il y aura pas mal de questions dans quelques minutes pour vous. Voilà, donc maintenant on va aller sur un exemple concret. Donc nous, à Rhône, nous avons une de nos solutions qui est Rhône ePro. C'est une de nos spécialités, l'IPRO, l'ICOA. Nous allons voir donc comment nous pouvons garantir un e-consentement en fait par nos outils technologiques au travers d'un exemple. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un exemple quelque part qui est vraiment dans le meilleur des cas, c'est-à-dire dans le cas où la législation nous autorise à faire ce que tout ce qui est possible. Évidemment, dans la réalité, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que telle ou telle partie ne pourra pas être faite, ou alors, comme l'a dit Michel, devra être complétée peut-être d'une signature papier dans certains pays, notamment en France. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce que nous allons vous montrer maintenant, c'est vraiment un exemple, voilà, de ce qu'on peut faire, notamment via notre outil Rhône ePro, donc qui s'adresse à des patients. Donc, nous allons voir notamment paramétrage de la signature électronique pour l'identification par exemple d'un patient. Nous allons voir comment ce patient s'identifie par une technique de notification email ou SMS. Hein, ce sont des techniques qui sont notamment utilisées dans le système bancaire, hein, pour s'identifier. Nous allons voir aussi comment peut être faite l'explication du consentement au travers d'une sorte de didacticiel, une suite de textes, d'images, de vidéos qui expliquent les éléments principaux du consentement. Nous allons voir aussi quelque chose qui est important, c'est comment le patient, pardon, peut retirer son consentement à tout moment. Hein. Dernier point qui n'est pas marqué là, c'est que nos plateformes, évidemment, sont sécurisées, sont hébergées, non seulement sur des serveurs de type hébergement données de santé, certifiés, mais en plus, comme l'a dit Michel, nous avons la possibilité contractuellement de confirmer la localisation des données en France ou en Europe, et donc d'empêcher contractuellement le transfert de ces données à l'extérieur de l'Union européenne. Voilà, donc je vais maintenant laisser la main à Yves Darmaillac pour la démonstration. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter les fonctionnalités e-consentement et e-signature de la solution Rhône EDC. La présentation se fera en trois parties. Dans la première, nous allons nous connecter comme investigateur et inclure un patient. Dans la seconde, nous allons nous connecter comme coordinateur de l'étude, et nous verrons un certain nombre de questions liées à la confidentialité. Et enfin, dans la troisième partie, nous nous placerons du point de vue du patient et nous procéderons au consentement proprement dit. Voilà. Donc, première partie, je me connecte investigateur et nous allons inclure un patient.
Donc, nous allons sur la liste des patients, ajouter un patient. Là, donc, ce sont les critères d'inclusion. Vous avez peut-être déjà vu cette démonstration lors du séminaire dédié à l'IPRO. Donc, je passe vite sur cette partie. Voilà. Donc là, il y a une première signature à faire. L'investigateur va recevoir sur son mobile ou son email ou bien sa messagerie instantanée un code qu'il va saisir ici pour signer le formulaire. Alors, pour la démonstration, nous avons choisi la messagerie instantanée. Donc, je reporte le code ici. Et nous signons. Ensuite, on va remplir un certain nombre d'informations à caractère plus administratif et juridique sur le patient. Voilà. Alors, le scénario est totalement paramétrable en fonction de l'étude concernée. Là, nous avons choisi ces formulaires-là pour enregistrer les informations du patient. Nous avons saisi donc les coordonnées du patient et nous avons indiqué qu'il acceptait de recevoir les informations par SMS puisque nous allons lui envoyer tout ce qui concerne la connexion et les signatures par SMS. Ensuite, le médecin doit signer sa part du consentement qui est signée par le médecin et par le patient. Donc le médecin peut consulter le texte du consentement s'il ne le connaît pas. Et ensuite, dire qu'il comprend, puis il va signer à nouveau le formulaire. Donc, on a rempli les données médicales pour l'inclusion et les données plus à caractère juridique. Pour le consentement. Donc c'est la fin de la première partie. Le patient est inclus, il a reçu une URL par SMS qui va lui permettre de se connecter. Et nous allons passer à la deuxième partie. Donc là, on va se connecter comme coordinateur et on va voir les aspects confidentialité. Voilà. Donc ici, on retrouve notre patient numéro 7 qu'on vient de créer, qui n'a pas encore donné son consentement, de même que le patient numéro 3. Et vous voyez ici que nous avons un patient qui, lui, a explicitement refusé son consentement. On peut utiliser les filtres pour accéder uniquement, par exemple, à ceux qui ont consenti. À tous les patients. Donc si on revient par exemple sur notre patient numéro 7, le coordinateur de l'étude, lui, peut accéder aux données, on va dire, médicales, mais il n'a pas accès aux données qui sont considérées comme confidentielles puisqu'il y a un numéro de téléphone, donc un identifiant unique du patient. Donc il est, à ce niveau-là, il est caché. Donc nous avons respecter un certain nombre de règles de confidentialité. Voilà. Maintenant, nous allons passer sur la troisième partie de cette présentation, c'est-à-dire la signature du consentement proprement dit. Donc, je vais me connecter comme patient qui reçoit un code sur son téléphone pour se connecter. Alors, le patient arrive pour la première fois sur l'étude à laquelle il va participer. Il va devoir signer son consentement et on va l'accompagner pour comprendre les termes du consentement. À n'importe quel moment, il peut exprimer le besoin de parler avec un expert. Dans ce cas, il peut cocher
Oui, ici, et il sera contacté. Voilà. Donc, il comprend ce qu'on lui explique, il le dit, il le coche, puis il continue. Donc là, alors là encore, c'est complètement paramétrable. Là, c'est lié à l'étude que nous avons choisie, qui est une étude de qualité de vie sur l'insomnie. Donc, on lui explique les objectifs. Il comprend, il continue, la méthodologie, tu viens de répondre à cette question qui porteront sur son sommeil pendant 15 jours. Voilà, il continue. L'étude va durer 6 mois. Il comprend, il continue. Elle ne comporte aucun risque. D'ailleurs, on lui a mis une petite vignette d'une personne sereine. On pourrait mettre autre chose, toutes les images sont paramétrables. Comprend, il continue. On explique qu'il va que les données elles seront utilisées et traitées par des professionnels habilités. On lui met un lien vers un document sur un site gouvernemental pour lui expliquer le RGPD. Vous voyez, on peut mettre tout un tas de liens vers des vidéos, vers des documents pour. Pour donner le maximum d'informations sur les termes du consentement. On comprend, on continue. Voilà, donc ici, il a accès, comme tout à l'heure l'investigateur, au texte du consentement, qu'il peut lire, voilà, qu'il doit lire. On comprend, il continue. Voilà. Ensuite, on lui explique qu'il peut se rétracter. N'importe quand. Voilà. Il suffira qu'il clique sur un bouton qui a cette signalétique. On verra ça tout à l'heure. On comprend. On continue. Voilà. Maintenant qu'on lui a expliqué les tenants du consentement, il va procéder au consentement proprement dit. Donc, il consent de façon libre et éclairée à la participation à l'étude. Voilà, oui. Et on va lui demander cette fois-ci de signer. Donc pareil, il reçoit un code par SMS, il reporte le code et il signe. Voilà. À cet instant, il faut qu'il ait le temps de réfléchir et de bien comprendre les options qui lui sont proposées. Donc la première chose, c'est qu'il peut imprimer ou sauvegarder son consentement. Donc il y a le texte du consentement avec les signatures électroniques non falsifiable de l'investigateur et celle qu'il a lui-même générée. Il peut se retirer dès maintenant. Si finalement il change d'avis, il peut se retirer maintenant. Il peut aussi se déconnecter, se reconnecter plus tard après un temps de réflexion. Une fois qu'il a bien pris connaissance de tout ça, au bout d'un certain délai, il peut continuer et répondre au questionnaire. On continue. Donc là, je vais passer vite. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu dans la démo, dans le webinaire consacré à l'UPRO. Donc, il répond à son questionnaire. Là, on avance. Voilà. Donc, à la fin, il y a un résumé de ses réponses. Voilà, il valide. Pardon. Et donc à nouveau, il a une signature à donner pour signer ses réponses. Vous voyez qu'ici, il peut encore retirer son consentement. Voilà, donc là maintenant, il a signé ses réponses. Il a à nouveau le choix de se retirer ou de se déconnecter. Voilà. Et donc, il se déconnecte. Il confirme. Et ça y est, nous avons terminé avec la troisième partie qui est le consentement lui-même. Supposons que le patient, après avoir signé ses réponses et s'être déconnecté, il change d'avis, il veut retirer son consentement, ben, il peut encore le faire. Il lui suffit de se reconnecter via le lien qu'on lui a fourni.
Voilà. Donc, il retrouve la dernière page, celle qu'il avait quittée après avoir signé ses réponses. Et puis là, il peut indiquer, bah, finalement, je me retire, je ne consens pas. Voilà. Donc, il saisit le code qu'il a reçu par SMS. Et cette fois-ci, il a retiré son consentement. Il peut se déconnecter. Le coordinateur de l'étude verra que finalement, le patient 7 a refusé son consentement. Voilà. Je vous remercie. Et je passe la main à Emmanuel et à Michel pour la suite de notre webinaire. Merci Yves. Alors, donc on a vu pas mal de choses, hein, à la fois sur le plan théorique et puis, encore une fois, ce que nous a montré Yves sur notre plateforme Aroni Pro, c'est un exemple de e-consentement et de fonctionnalité de e-consentement, notamment de signature électronique, d'explication du consentement, voilà, qui a été démontré, mais qui évidemment doit être adapté dans le cadre d'une étude clinique, au protocole, à la législation en cours, etc. Hein. Voilà, alors on va passer aux questions-réponses. Vous êtes très nombreux, merci encore une fois, et on va essayer de répondre le plus possible aux questions, certaines qu'on va regrouper parce qu'elles sont, je pense, un petit peu équivalentes. Et puis, si on ne répond pas à toutes les questions, on essaiera de vous donner réponse après par email ou par un contact téléphonique. Je voulais vous dire, si juste avant les questions, que vous pouvez nous contacter donc par téléphone, par email ou directement sur notre site au travers du formulaire que vous avez là. Voilà, pour toute question, soit par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui, soit par rapport à des projets, des études de projets IPRO ou ICRF que vous pouvez avoir, par exemple, prochainement. Voilà, donc je vais maintenant. Alors, nous avons une table ronde avec donc Michel Arnoux, moi-même, Yves Darmaillac, et nous avons aussi donc Marie-Christine Prête, qui est chef de projet chez Aaron, qui a un profil elle plus ARC, et nous avons aussi donc Anice Lipomou qui va nous poser les questions puisqu'il a travaillé sur les nombreuses questions que vous avez. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Les questions sont donc très nombreuses pour cet événement. Elles touchent à la fois aux aspects juridiques hein, que techniques. Alors, effectivement, comme Emmanuel le disait tout à l'heure, il y a des questions qui se ressemblent fortement, donc on va pouvoir les regrouper. Ah, il y a par exemple trois questions ici de Audrey, Séverine et Hubert concernant donc la collecte des données. Alors, je vais les lire. La CNIL a-t-elle été consultée sur le thème du e-consent? A-t-elle émis des recommandations, notamment pour l'accès par un tiers à des données personnelles d'un patient? Ça, c'est la question de vrai. Hubert pose une question dans le même sens. Selon la démo, des données donc, démographiques, hein, taille, âge, poids, téléphone, sont collectées avant le processus du consentement. Comment garantir que le patient a autorisé cette collecte selon le RGPD? Et la question de Séverine. Cela ne pose-t-il pas de problème avec la CNIL que vous recueilliez le numéro de téléphone des patients? Voilà pour les questions. Okay. Je vous laisse donc apporter la réponse, hein, Michel. Toutes les questions sont plus que pertinentes et intéressantes. C'est tout l'enjeu. Hein. Il faut toujours repartir du processus papier. Comment on faisait dans le processus papier? Dans le processus papier, ces données étaient bien entendu collectées
sur les documents, c'est-à-dire le dossier patient qui était présent chez l'investigateur. Donc, ça veut dire que dans le cadre du processus électronique, il faut s'assurer que, un, seul l'investigateur et, par exception, le moniteur ou l'auditeur a accès à ces données. Donc, il faut démontrer qu'on a mis en place un système informatisé garantissant ce genre de choses. Donc, on en revient à ce que j'évoquais pendant ma présentation, c'est notamment la notion de validation des systèmes informatisés. C'est pas un petit truc, c'est pas une application qu'on développe à l'arrache et qu'on met sur un téléphone portable pour collecter trois données. C'est un processus qui doit être démontré de bout en bout en matière de sécurité de circulation des données, de stockage des données. Et donc, traditionnellement, les fournisseurs de solutions sont ceux qui fournissaient des IPRO. Hein. C'est le cas d'Aaron, mais c'est le cas des anglo-saxons en la matière. Donc, ils ont une bonne expérience en la matière. L'autre élément qui est pertinent aussi, et c'est Aaron nous l'a dit, c'est que leurs données sont hébergées chez un hébergeur de données de santé. Donc, c'est le niveau le plus élevé en matière de sécurité de données personnelles de santé, qui, pour la CNIL, sont des données particulières. Et donc, à partir de la notion d'hébergeur de données de santé, on est à un niveau qui est équivalent à celui d'un dossier médical, qui est encore plus confidentiel qu'un dossier d'essai clinique, puisque on a plus d'informations. En essai clinique, on a finalement que les identifiants de la personne, on saura peu de choses sur le reste, alors que dans un dossier médical, on a toute son histoire médicale. Donc, la réponse, c'est un niveau d'exigence très élevé en matière de collecte de données, stockage de données et des processus qui permettent de faire cette opération. Oui, je vais me permettre de compléter parce qu'il y avait un autre élément dans la question. C'était par rapport au fait que des données sont collectées avant la signature. C'est sans doute une petite maladresse de notre part dans notre choix de scénario. Mais le scénario et le workflow en fait, hein, du consentement et de la collecte de données est entièrement paramétrable. Donc, si vous voulez que le patient signe avant de collecter la moindre donnée, c'est tout à fait possible. Hein. Avec Aaron Studio, on fabrique des formulaires, on les ordonne et ils vont être présentés dans l'ordre que vous voulez. Hein. Donc, de ce côté-là, vous pouvez aussi avoir la signature de l'investigateur après le patient, hein, comme ça a été demandé dans certaines questions. Donc, tout ça est complètement paramétrable. Voilà. Merci Yves, merci Michel pour ces réponses très claires. Alors, d'autres questions. Là, on en vient un peu au côté interactif hein, que vous faisiez allusion tout à l'heure, donc Michel. La question donc, est de Joseph et l'autre de Séverine. Donc, c'est deux questions qui se rejoignent. Peut-on avoir un e-consent interactif? Ça, c'est la question de Joseph. Et Séverine, dans la mesure où le patient a bien un face-à-face avec l'investigateur, l'e-consent est-il plus facilement accepté par les autorités? Alors, je vais répondre à la deuxième question. La réponse est oui, si c'est face à l'investigateur, c'est forcément, je dirais, une situation plus simple parce qu'on peut aller jusqu'à signer papier. Hein, donc, on est dans la meilleure situation qui se rapproche du processus traditionnel papier. Sur le premier point, un processus interactif avec, je réponds oui, d'où l'importance de le présenter au comité d'éthique avant approbation pour voir si finalement la mécanique ou la dynamique qui est dans le ou la cinématique voilà qui est dans le processus de collecte d'informations basé sur une animation, une interaction, une réponse, une question. Oui, je pense que ça peut être très 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 pédagogique et donc très très efficace, mais encore faut-il pouvoir le montrer aux autorités. Et donc le débat va être si vous changez ce scénario en cours d'étude, il va falloir de nouveau le présenter aux autorités parce que je dirais que c'est un léger changement du consentement puisque je dirais le scénario que vous leur proposerez ne sera pas tout à fait le même. Merci Michel. Alors, l'autre pendant de la question, ou du moins l'autre question, peut-on réaliser un e-consent interactif?
Moi, je dis oui, il n'y a pas de problème, mais là encore, il faut l'avoir présenté au comité d'éthique pour être sûr que la façon dont les choses s'enchaînent est bien dans le sens qui augmente le niveau d'information du patient avant sa prise de décision finale, qui sera son consentement à la fin, celui qui équivaudra à une signature. Très bien. Merci Michel. Alors, j'en ai une question de Fatima. C'est une question qui s'adresse à Yves, donc concernant donc la sécurité, la garantie, donc que c'est bien le patient qui répond à la question. Alors, la question de Fatima est tournée ainsi. Si le mail est transféré à une autre personne, celle-ci peut-elle répondre et signer à la place du patient? Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qui garantit que c'est bien le patient qui signe le consentement ou valide les questions? Ben, je pense que Fatima pose la bonne question, hein. C'est la difficulté, hein. Est-ce qu'un numéro de téléphone c'est suffisant pour identifier ou une adresse email? La réponse est oui et non, hein. Prenez les expériences en matière de paiement par carte bancaire. Vous voyez bien que jusqu'à présent c'était un petit SMS avec un numéro qui arrivait. Maintenant, le processus est un peu plus compliqué, hein. On vous demande d'aller dans une application et avec un mot de passe supplémentaire. Donc, c'est la qualité du processus d'identification du patient qui est l'un des éléments clés, ce qui explique les réticences ou, je dirais, la motivation moyenne des autorités et qui pousse à reprendre du papier pour être sûr qu'on a la bonne personne en face. Mais ça reste toujours un problème, hein. Mais c'est vrai pour l'IPRO, hein, aussi, en général. C'est qu'on peut aussi ne jamais avoir la totale certitude que celui qui répond est la bonne personne. D'où la question, s'il y a une personne de confiance ou s'il y a un aidant, de bien les identifier dans le processus et dans le protocole pour s'assurer qu'on a des personnes habilitées à répondre à la place du patient. Oui, et alors en complément là, par rapport à l'interrogation de Fatima sur le fait qu'un mail puisse être transféré. Non, le simple transfert d'un email ou d'un SMS ne suffit pas à pouvoir se connecter. Il faut avoir accès à la boîte de messagerie, donc disposer du mot de passe de cette messagerie. Voilà. Et si effectivement quelqu'un dispose du mot de passe de la messagerie du patient, eh bien là, oui, ça peut poser un problème. Mais c'est bien l'accès en continu à la messagerie qui est nécessaire et pas simplement un mail. Voilà. Merci, merci Michel. Alors, une autre question qui porte toujours sur le consentement ou le retrait, le souhait du patient de se retirer du consentement, de retirer son consentement. C'est une question de Aïda qui dit « Si le patient souhaite retirer son consentement en cours d'étude, comment peut-il procéder et comment le centre coordinateur ou promoteur est-il informé? Sont-ils informés en temps réel ?» Ça, c'est une question pour Yves, je crois. Alors, oui, alors il peut retirer son consentement à n'importe quel moment. Voilà, ça, il est entièrement libre de le faire, le patient. Et donc, effectivement, hein, on a ce qu'on n'a pas vu ici, on a tout un système de notification, hein, qui est notamment utilisé pour les signatures, mais qui est utilisé aussi pour prévenir les personnes qui sont concernées d'une modification importante comme celle d'un retrait de consentement. Donc, oui, donc le patient peut retirer son consentement n'importe quand. Et les personnes concernées dans l'étude sont notifiées. Voilà. Oui, ben merci Yves pour cette réponse. Alors j'en viens à une question de Marie-Pierre. Alors je vais vous la livrer. Avez-vous testé, s'il vous plaît, le e-consent en conditions réelles, en médecin, en consultation? Patient âgé, fatigué par sa maladie, pas aisé qui n'est pas toujours aisé donc avec l'informatique, une lecture de notes d'infos de 30 pages, un téléphone portable, et si ce n'est pas un smartphone. Alors la question, il y a plusieurs questions dans la question. En gros,
Je crois que ce que Marie-Pierre veut dire ici, c'est poser la question, c'est de savoir comment est-ce que l'e-consent est géré face à des personnes âgées ou bien Je peux juste donner un élément de réponse et puis mes collègues compléteront. C'est vrai que la lecture d'une note d'information de 30 pages sur un téléphone portable, c'est pas facile, c'est vrai. Mais justement, aujourd'hui, je pense que l'exemple qu'on a montré tout à l'heure, à travers l'étude sur le sommeil, c'est que justement, on peut ne pas le présenter sous forme d'une note de 30 pages, mais plus sous la forme d'un ensemble de plusieurs questions-réponses ou assez simples, avec en plus des petites illustrations qui sont beaucoup plus simples à comprendre. Et ensuite, on fait suivant à chaque fois. Donc, on ne va pas du tout présenter les choses de la même façon. Et ensuite, je pense que la personne, patient âgée ou pas d'ailleurs, qui n'est pas à son aise avec l'informatique, elle ne sera pas à son aise, à mon avis, du tout, avec 30 pages à lire non plus. Donc je pense que dans ce cas-là, le e-consentement peut vraiment apporter un plus. Comme l'a dit tout à l'heure Michel Arnoux, souvent on ne lit pas les 30 pages, hein. On ne fait que les signer ou de demander à la personne en face bon, à quoi je m'engage réellement, hein. Voilà. Donc voilà ce que je voulais juste préciser, mais mes collègues vont peut-être compléter là-dessus. Bah, écoutez, moi je vais rebondir sur ce que dit Emmanuel et répondre en même temps à une autre question que j'ai vue passer, c'est la possibilité de contacter un expert. C'est quelque chose qu'on a mis dans le scénario, que le concepteur du scénario dit consent peut mettre ou pas librement. C'est simplement une information qui va remonter, qui va être notifiée aussi au coordinateur de l'étude ou à quelqu'un qui va être le destinataire de cette notification. Pour des personnes qui sont en difficulté, c'est peut-être la bonne manière de procéder. C'est de contacter quelqu'un qui va pouvoir les aider. Tout dépend de la manière dont vous concevez le scénario dit consentement de la manière dont vous allez après l'implémenter. On vous a montré uniquement un exemple, ça peut être complètement autre chose et c'est à l'utilisateur de concevoir sa méthode son scénario de consentement. Merci Yves. Enfin, alors, nous, comme vous pouvez le constater, nous sommes largement au-delà du temps que nous avons, est parti pour cet événement. Je vais donc prendre une dernière question, tout en sachant que ceux dont les questions n'ont pas eu de réponse maintenant seront contactés et nous apporterons donc personnellement une réponse à vos questions. Voilà, donc, la dernière question, c'est une question de Fatima. Fatima, est-il possible d'ajouter des vidéos pour le patient avec votre solution e-consent? Oui. Oui, c'est possible. Ben, merci. C'est souvent beaucoup plus. Ça rend les choses beaucoup plus simples et faciles. C'est vrai qu'on est vraiment à l'ère aujourd'hui de la vidéo. Et pour ça, il faut avoir une bonne connexion. Bah, écoute, c'était donc la dernière question. Hein. Du coup, je te rends la parole, Emmanuel, pour la suite. Bien, merci. Donc, effectivement, je vous remercie. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, puisque nous avons eu, c'est vraiment un record, de plus de 200 inscrits à ce webinar. Ce webinar, vous pourrez le voir en replay. Donc, nous vous enverrons, à partir du moment où vous êtes inscrit, le lien. Voilà, vous pouvez nous contacter, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux coordonnées que vous avez là en ligne, que ce soit donc pour des questions particulières ou pour nous faire part d'un projet que vous avez sur lequel nous pourrions intervenir. Voilà. Il me reste, comme toute bonne présentation, à
à effectuer les remerciements. Donc, tout d'abord, à vous remercier à vous, donc à vous tous, d'avoir été là et d'avoir. J'espère que ce contenu vous a intéressé. Je voudrais donc remercier Michel Arnoux, hein, qui nous a fait un bel exposé avec des informations de dernière main, donc sur l'état de l'art de la juridiction aujourd'hui et du e-consentement. Merci à Yves aussi donc pour les réponses techniques, et à Nice aussi qui a fait le monsieur question de manière tout à fait pertinente. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à toutes et à tous. Au revoir Michel, merci. Au revoir, merci. Au revoir.